Salut à tous, c'est Macron Minou, on se retrouve enfin sur Cristal Bleu, c'est le 40e épisode, et voilà, je vous avoue, il y a eu encore un petit blanc, voilà, j'avais tourné une chier d'épisode pendant un moment, et j'ai eu un petit vide, des petits problèmes de connexion, des vacances, je suis encore malade, enfin bref, c'est vraiment pas mon année, on va dire. Mais voilà, donc voilà, c'était aussi pour répondre à un commentaire. Dans un épisode, je disais que personne m'avait dit pour Galopa la pierre feu. Si, on me l'avait dit dans les commentaires. Le truc, c'est que j'ai tourné l'épisode il y avait presque un mois, je crois. Donc voilà, je m'excuse encore auprès de cet abonné. Oui, tu me l'avais dit, mais voilà, je m'en étais déjà rendu compte avant. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait. On voulait partir vers les rives du lac Courage. Et je m'étais dit que en off, je ferais tout. Les petits pêcheurs qui sont en dessous là, donc je me suis fait tous les petits pêcheurs. Après j'ai été faire un bon coup d'XP hein, pendant un bon moment. Je voulais pas reprendre l'épisode avant d'avoir bien XP les bestioles, parce que dans les herbes en fait les Pokémon avaient le niveau des trois quarts de mes Pokémon, donc c'était un petit peu voilà, je voyais mal comment je pouvais aller plus loin. Donc c'est parti, on repart toujours sur le lac Courage hein. On va voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu nous dis toi? Ok, on s'en fout. Et toi? Ok, allez, zou. Oh, c'est qui ça? Yo, collègue dresseur. Tes Pokémon ont beau être enfermés dans leur Pokéball, je peux sentir leur force d'ici. Je ne suis pas présenté, ok, Adrien. Oh, un rouquin au conseil des 4, ok. Tu vas pouvoir m'aider, donc hop, champion d'arène. Ok. Tu commences à comprendre où je veux en venir. Je veux que tu lui donnes l'occasion de participer à un combat spectaculaire. Ouais, ok, c'est parti. Un peu niveau charisme, hein. S'il fait partie du conseil 4, je suis un peu deg. Ok, donc ça c'est une ville super chelou. Ouais, c'est cool, mais bon, à mon avis, c'est un petit peu irréalisable en vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? Un panneau blanc sans aucun texte, c'est très utile. Un petit marin. Quel que soit l'environnement, les hommes, les Pokémon s'adaptent toujours, c'est un moyen de survie. Est-ce qu'il nous parle de Alola? Mon nom est Jasmine, je suis champion d'arène. Pas de cette ville, mais d'une autre arène. Ah oui, de Johto, c'est vrai. Oh zut, bon. Il faut qu'on se tape l'arène alors. Marché de Rivamar, le plus grand choix de saut. Oui, alors je viens de réaliser un truc, c'est que quand j'X mes Pokémon. Je speed un petit peu niveau vitesse de jeu et j'ai oublié de retirer la vitesse de jeu comme un gros noob. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre tout de suite. Voilà. Voilà, excusez-moi encore, c'est l'habitude. Le problème, c'est que c'est vraiment histoire de gagner du temps, hein, parce que le jeu est vraiment lent. Donc quand on fait des combats pour XP les Pokémon, si on veut pas s'arracher la tête, je suis obligé de passer par ça. Je pourrais faire le let's play avec une vitesse accélérée, mais je fais déjà l'effet sur. Enfin, l'effet. Je fais déjà ça sur Éclat Pourpre, c'est vrai que bon, c'est un petit peu saoulant. Au montage, je me rends compte que voilà, écoutez, c'est pas très agréable. Donc voilà. On va rester à la vitesse lente du jeu. Allez, je m'en fous des sauts, moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les sphères trouvées sous terre sont comme des pierres précieuses, tu peux même les échanger contre des objets. Ok. Ah ouais. Si on ajoute Pierrick, le fils de Charles, on obtient un beau trio d'explorateurs. Ok. J'ai aussi joué un petit peu, j'avais oublié complètement que ça existait, c'était le Cherche VS, donc ça m'a permis aussi d'XP, j'ai refait un petit peu toutes les villes là, de A à Z. J'ai mis au moins 2 jours à bien XP tous les Pokémon. Enfin 2 jours, pas complet hein, mais j'ai joué sur 2 jours pour me mettre un petit peu à niveau. J'ai rebattu un petit peu tous les dresseurs. J'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai racheté quelques bois, quelques potions. Vous avez vu la vitesse du jeu, c'est fou ça. Bon bref, l'arène est où? L'arène est où? Comme je vous l'ai dit, je suis encore un petit peu malade. J'ai une voix encore bien grave dégueulasse. Donc, excusez-moi pour ça. Oh, une petite boule. Une pierre foudre. Super. Je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. T'as le mec, il est obligé d'escalader pour être rentré chez lui.
C'est trop cool qu'il brille à ton poignet, mais oui, c'est ça, c'est une Pokémontre. J'ai eu l'accord de la Pokémontre SA pour développer des logiciels. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir un Pokémon sérieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Il faut donner montrer des Pokémon chelous. Est-ce que j'ai pas de Pokémon sérieux? Résume. Ouais, bon. Est-ce qu'il a un PC, lui? Ouais, je peux pas aller chercher un Pokémon, donc tant pis. On fera peut-être ça, voilà, dans un épisode annexe. Peut-être après la ligue. Et je pense qu'une fois la ligue finie, ce jeu, je vais vite arrêter d'y jouer parce que il est vraiment pas agréable à jouer. À côté d'un Clapourp ou d'un Macron Minou. Le phare, ok. Ah oui, il y a la démo qui est sortie il y a quelques jours. Si vous avez joué, dites-le moi en commentaire. Moi, je me suis vraiment préservé de tout. J'aime bien en fait me. J'aime me réserver la surprise, j'aime les surprises, j'aime découvrir les choses. Donc voilà, après, je me dis quand même peut-être que je vais jouer un petit peu, il y a quand même des trucs à débloquer, le Sashanobi peut-être, je sais pas, mais en fait je m'en bats un petit peu les steaks. Je sais que j'avais joué à Ruby et Saphir, j'avais joué à la démo, Alpha Omega, bah, j'avais réussi à avoir le Nidalee, je crois que c'était le Mega Nidalee. Ok, donc le gars a rénové l'arène. Prépare-toi à en prendre plein la vue. Ok, donc il retourne dans son arène, c'est cool. Ça n'a pas été si compliqué. Donc ouais, la démo, j'ai joué juste pour Ruby Saphir. J'étais un petit peu... En fait, si vous voulez, c'était pas vraiment dérangeant parce que juste avant, on avait eu X et Y. Niveau graphisme, c'était quasiment la même chose et ça a très peu changé. Là, je sais que ça va quand même... Là, quand même, il y aura un gros changement, donc j'ai pas envie de me... J'ai envie de redécouvrir comme quand j'ai découvert X et Y après avoir arrêté de jouer pendant des années. Donc je veux vraiment me garder la surprise, le fun, tout ça. Pour kiffer. Bon, je sais pas où je vais, ça commence à me râper un petit peu. En plus, voilà, ils sont tous en train de. J'essaye de pas trop me spoiler, j'essaye d'éviter un petit peu les publications, mais ça tombe de partout. Les forts Malola tombent de partout, c'est pas évident. Le pire, c'est. Je viens de tomber là, je crois que c'était hier, j'ai aperçu Rakaï ou Grolem, tout ça. Stop, j'étais dégoûté. Oh, par où qu'on va? J'ai quand même téléchargé la démo, mais j'y ai pas joué. Oh, allez, 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 allez. Mais bon, faut avouer quand même que le jeu a l'air quand même particulièrement épique, j'ai très très hâte d'y jouer. Mais c'est... Je suis con ou quoi? On en a été, là on a été. Wow. Le phare, ok. Faut pas juste sauter. C'était juste ça. C'était juste ça. Ok, autant pour moi. Oui, j'ai aussi, bah, je vous l'avais dit dans d'autres épisodes, j'ai lancé la page Facebook. Donc n'hésitez pas à liker la page Facebook. J'y annoncerai mes vidéos, j'y annoncerai, je ferai, voilà, je partagerai des petites vidéos un petit peu rigolotes, des petits trucs un petit peu que je trouve sur le web. Histoire qu'on s'enjaille un peu. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Elle est où cette arène? En fait, je pensais être arrivé là où il fallait, mais pas du tout. Mon dieu. C'était un Pokémon, ouais. Mais c'est dingue ça. Je vois pas d'arène, moi, en fait.
Bon, on va se retourner au phare, voir, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Putain, puis si je me trompe toujours d'endroit, ça va vite être saoulant. Putain, je suis gogol ou quoi? Grâce à ces jumelles, j'ai l'impression que les contrées les plus lointaines sont à portée de main. Un jour, j'irai aussi loin et j'aimerais un Pokémon. Ok, fais ta vie pour le marin, le phare panorama. Sécurité et protection. Bon, je vais voir vite fait sur internet, on va pas se prendre la tête. On go sur Pokémon Trash comme d'habitude. Bon, ça on s'en fout, ça on s'en fout, fou. Oui, ça on s'en fout aussi. Le phare d'Arivama, nanana. Retournera comme un caniche dans son arène, ils sont trop cool sur Pokémon Trash. Suivez-le! Oh, mais je l'ai pas suivi! Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? Plus, c'est la dernière arène. J'aurais bien la torcher, moi. Est-ce que je peux mettre la bicyclette? Bon, t'as vu comment il est sorti de l'arène? Il est sorti comme ça. Ça me rend dingue. Mais d'accord que là où il n'y a rien. Je retente là-haut, voir la grognasse là. Je vais regarder sur un autre site vite fait. Ouais, je suis pas. Je suis pas très très. Mais nimpe. Bon, je crois que je vais finir l'épisode comme un gros gogol comme ça. Je vais chercher et puis je vous retrouverai quand j'aurai trouvé la solution, qui est forcément, me connaissant, particulièrement évidente. Ça, c'est pas des arènes. Oh putain. Je dois louper un truc. C'est pas possible, je dois louper un truc. Bon allez, ça me saoule vraiment. Je vais pas faire un petit coup de surf là pour essayer de me balader un petit coup. Bon, est-ce que c'est moi qui suis vraiment définitivement con ou... Ouais, ok, donc je suis définitivement con, voilà. Bon, voilà, je suis assez content, j'ai réussi à trouver cette arène. Alors, voilà, vous pouvez me lyncher dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous, j'ai vraiment été con sur le coup là. J'ai l'impression d'aller partout et j'ai pas été là où il fallait. Donc voilà, moi je vous dis à un prochain épisode, portez-vous bien, lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas surtout à liker ma page Facebook. C'est les débuts c'est toujours chiant à lancer un petit peu le truc. Donc voilà, on se dit à tout de suite, bye bye.